Première. Marc Revault, l'un des principaux auteurs de cette fraude à la défiscalisation, passera ce soir sa première nuit au camp Est. Lui et son associé métropolitain Jean-Marc Etchebarn écopent tous deux de la plus lourde peine. 5 ans de prison, 60 millions de francs CFP d'amende et une saisie et confiscation de leur patrimoine. Au total, dans cette escroquerie commise entre 2007 et 2008 en bande organisée, 18 prévenus dans deux sociétés. Pour ce procès, le tribunal de Mataoutou a voulu donner un signal fort en prononçant un verdict sévère allant bien au-delà du réquisitoire. Le fait que le tribunal, en dépit des années qui ont passé, a été extrêmement sensible à la gravité des faits et au préjudice extrêmement important en termes d'image, tout d'abord pour la collectivité des îles de Wallis et Futuna, et également de préjudice en termes d'ordre public économique. Pour les autres prévenus, les peines vont de 3 à 4 ans de prison ferme, de 4 à 18 mois avec sursis et des amendes de 15 à 30 millions de francs CFP. A noter que Stefano Tafono, ancien secrétaire général de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, en charge à l'époque de la validation des dossiers de défiscalisation, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer pendant 5 ans dans la fonction publique d'État. Au total, dans cette affaire, plus de 2,4 milliards de francs détournés. Il n'y a pas que l'effet de Wallis et Futuna, puisqu'il y a d'autres dossiers en Polynésie française, notamment aux Antilles, mais ces escroqueries ont été presque à l'origine, j'allais dire, de la suppression du levier fiscal de la défiscalisation. Donc je rappelle à dessein ces précisions pour montrer que nous avons affaire à des personnes qui ont causé un tort considérable. Le deuxième volet de cette fraude à la défiscalisation sera jugé l'an prochain avec cette fois une cinquantaine de prévenus, dont une dizaine déjà condamnés dans cette première affaire.